belleza, solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear como si nada. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi en cet hôtel de ville pour célébrer votre mariage. Et je vous souhaite à vous tous et toutes, à votre famille et amis, la plus cordiale des bienvenues. Célébrer son mariage est dans la vie de chacun d'entre nous un moment important, chargé d'émotions. Oui, le mariage est une aventure du fait que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Aucun jour ne ressemblant à l'autre, et que l'amour, l'un pour l'autre, est quelque chose de facile certains jours, mais beaucoup plus difficile à d'autres moments. Au début d'un mariage, mais vous l'avez déjà fait, il faut se remettre en question, abandonner ses habitudes de célibataire, habitudes souvent bien ancrées et qui peuvent déranger l'autre sans qu'il ose l'affirmer, par amour bien sûr. Se remettre régulièrement en question, savoir accepter l'autre différent, consolider son amour jour après jour et le parfaire et le faire pas à pas, doucement. Vaste programme, tellement vaste que certains n'osent plus s'y engager et préfèrent vivre l'un à côté de l'autre ou l'un avec l'autre. Pourtant, je dirais, le jeu en vaut la chandelle et tous les couples mariés vous le diront, tout dépendra des priorités que vous donnerez à votre mariage. Il est normal qu'au départ, quand on se lance dans l'aventure du mariage, on voudrait garder cet amour entre les deux. Mais on n'est pas seul. Il y a les amis, il y a la famille. Et puis, il y a l'enfant qui va arriver. Alors chez vous, c'est déjà fait, il est déjà là. Là, derrière, là, c'est déjà fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que d'accueillir des enfants issus de votre union, signe de votre amour. Les enfants, vous les accompagnerez, ils grandiront, et un jour, comme vous, ils feront comme vous, ils partiront, mais vous direz, ça, on a le temps de voir, méfiez-vous, ça passe vite. Bonne route, beaucoup de joie et de bonheur, tels sont mes souhaits, et sûrement ceux de tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui vous entourent. Je vais procéder maintenant au mariage de mademoiselle Catherine Augustine Cagnier et monsieur Marc-Louis-Philippe Steinsultz. Auparavant, je me dois de leur lire, de donner lecture des articles du Code civil qui les concernent. L'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Mademoiselle Catherine Augustine Cagnier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marc-Louis-Philippe Steinsultz? Oui. Monsieur Marc-Louis-Philippe Steinsultz, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Catherine Augustine Cagnier? Oui. Au nom de la loi, je déclare Catherine Augustine Cagnier et Marc-Louis-Philippe Steinsultz unis par le mariage. Et bravo. La bâti de contre nous est léchée. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Pour vous rappeler les origines et pas oublier les racines, n'oubliez pas le monde. Voilà.